Xong chơi những cái chỗ. Ông nhưng chúng ta có cả một to cái chấm đa can để tiện vị thì bị phía xa đánh đào chủng bùa đang mà đang rót bạn bị nì clan fit một lần đào vị thì ca từ dạ mới vì nó mục đang mà đang rót bạn nì ông nhìn ra có một quả kinh tha mới vì nó mục hôm nay đang mà rót bạn nì mình ban prai bị lìa ban miền bắc sơn tập hiệp nên không cả xu dùm nô từ căn đang mình đang gặp bởi vì ni lời ní ông nhầm đây xu tha ta đang mình đang ní trời cà phê bị lìa phần man tiết không cả xu dùm nô từ căn đang mình đang gặp bởi vì ni rụm ni xum group lục bát thiên nơi tới pi chấm nói chiết tế đại mi tu vi đầm nang đầm đường rồi về ni chong lực chia sầm nú hay để dẹp pel và hai chiết đầm địa ti giang tràn sum ok kun ok kun ông nghe sum cô vị tịch ca chun từ mi tu vi đầm đầm đường đầm ni sum chơi mà to sầm nú cha sôm ở con lộc bát thiên lộc ông nhom miên tập pi sầm nuo tê tê trong số lộc ông chẳng bài mánh tẹt tông chùm mùi nâng lập biệt này cả đại lục ống tệ tôn càng nghĩa chỉ mùi nâng mê không trang phẩm mùi đại lục ống cực cồng anh chân nhâm trang xua lục ống tha ta kê miên ẩm rơ bì lơ mau tha lục ống trâu ta cầm nọt ca phải chung chỉ mùi nâng mê không nâng tiền tọt phẩm màn đòn phẩm màn đòn đại tế lục ống bà miên một khe bị đòn chương lục ông ai chấm điệp chun ông sai vân cả bàn tế tha nâu pe đại ta miền đầm rơi tha lục ông trâu tai ri ca pi sơ tha nập hiệp nơi khăn ông đầm bon đại lục ông cục cồng sọc đại lục ông cục cồng nâng từ khẳng lơ đại tế hai bờ sân chìm miền tha trâu ri ca ta được biết nơi ca để kê ri ca từ nạ lơ đôi chia bờ chun po đầm miền từ khẳng cào nâng thật ta vi ri ca tam rồi biết na tam rồi dạ vậy đại lục ông chấm chỉ lời, con ông cà rề cà oi, cana tầm bòn nóng, bò miền pê cà hơi bị chùm hơi tổ rề cà cái đồng, chèn che, tầm bay cái đạp khay khyom, cái chốt khyom nó chốt bạn con Việt Nam, cái nó chốt chẳng hạn, hết ấy, hết tăng bị muốn khyom ทลอบนองเตี่ยตรงมือเวียดนามโดยชายกับแปกเข้มเลือนุปรมแดนนังเกน่าชงใส่พอประชุมเฮ้ยมันได้กะเกดังกิตาเข้มประชุมในใบนอมประชุมรัฐตัวเวียดนามยังจบจ้าอ๋อคนหลอกอมให้ขยมอ๋อสมนูหายตายจีจงประจอบนี้บาสันจีหลอกอมเมียนตาหลอกอมเมียนเอาไว้ทลายเตอร์สายวนาคาจีหลอกจงกราวเตะแตะตรงจีมวยนังตกเวทเนียร์บอหลอกอมก็โดยจีเพียร์สมอกสมายได้หลอกอมเมียนในขนมสมัยนู่หลอกอมบาหลอกอมเมียนสมหลอกอมจีมเรียกจุนเตอร์อังสายวนาคาเนปีนี้ขยมอ๋อสมนูสู่หลอกอมให้เมียนกายสมอกสมายการคือถ้าทัวปัตวัดกุมนี้ปิบะโดยชาโน่เฮ้ยมันหวยงอบเจริญมันต้องข่มต้องเต่าไปเจเรียกกับวัยโจเดก็มาบ้านทมๆตำบอนชกพุ่มเพี้ยโดยอมยาอมเอ๋ยนึงชัดกระนั้นพุ่มเพี้ยกับวัยโจเดไม่ต้องมีวัยโจเรื่องไอ้อันนั้นเขี้ยมชกสมานการนู้นก็ไปเกย์ทายจิตตังชะก่อนนู้นชกสมานตอนฉับทั้งไงขยมบานสบายเจ็ดก็ทวีหัวเปรย์เฮยปะกุมนี่เอกระปะตัวกุมนี่กันนั่งจบออกคนหลอกอมคลันฟิตจมพัวกาโจรวมหลอกบอลหลอกอมในขนมไซนากาหาชีพิเศษกาชลายนงสมนูหลอกบอลขยมให้ขยมสมออกคนอังจมนมจมเรียได้บานดอยเปรีไอขยมในขนมกาสู่สมนูนี้ให้ขยมสมจมเรียจูนต่ออังจมนมจมเรียท่าปีคางเพื่อกี้สหเมทวีนอมมกดำนางดำเหมือนดังรับปะเวนี้นั่งมันเมียนสมนูดำใบสู้ต่ออมคลันฟิตบรรทออติดเตะสมนูตระบานบรรจบในเปรีสมออกคนออกคนลูกชายเมทวีเชี่ยไก่บรรทออังจมเรีย
cột vị trí cả từ xã Bình Nhã, bờ sân bờ miền Dầm Nua, từ xưa đó đang đang rót vào nín, rụm nín, xô mình chơi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Je commencerai aujourd'hui avec les questions. Et si nous n'avons pas fini, je pense que mon collègue continuera demain matin si nous en avons la permission. Bonjour et tous mes respects, Monsieur Clanfit. Je vous remercie d'être venu de loin et d'avoir accepté de témoigner durant ce procès. Nous allons à notre tour vous posez quelques questions et nous sommes conscients que le khmer n'est pas votre langue maternelle, mais une des nombreuses langues que vous parlez. Alors nous essaierons de poser des questions courtes et simples chaque fois que ce sera possible. Toutefois, je voudrais simplement vous rappeler que si vous avez des difficultés à comprendre les questions, n'hésitez pas à nous faire savoir, à lever la main, etc., que je puisse recommencer éventuellement. Nous savons aussi que les faits se sont passés il y a 30 ans et que certains souvenirs ne sont pas nécessairement aussi précis que si vous aviez été auditionné il y a quelques années. Nous souhaiterions cependant que vous restiez concentré autant que possible sur les questions posées et répondre de la manière la plus précise possible également. Je voudrais d'abord commencer, monsieur le témoin, par vous demander si il y a 2 ans et demi, le 8 juillet 2009, est-ce que les enquêteurs de ce tribunal sont venus vous voir pour vous poser des questions? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir répondu à des questions posées en khmer ou traduites en khmer par un interprète? Merci. Est-ce que, à la fin de votre audition, votre déclaration vous a été relue? Et une fois que vos déclarations ont été relues, vous avez considéré que c'était correct et donc vous l'avez signé, ou plus précisément, vous avez apposé votre empreinte digitale. Est-ce que c'est correct? Donc il s'agit du document D247-1. Et je vais juste citer les numéros d'IRN. En version Khmer, IRN 004-03-457 jusqu'à 004-03-464. La version française est une version corrigée, D247-1-cor-1, qui s'étend de la page 00751732 jusqu'à la page 00751739, et en version anglaise 00404460 jusqu'à la page 00404467. Nous allons donc probablement pouvoir nous référer à ce document dans certaines de nos questions, sans pour autant que cela constitue des leading questions. Je voudrais d'abord revenir sur la période de votre engagement au sein du mouvement révolutionnaire jusqu'en 1970.
Et vous avez déclaré ce matin ne plus vous souvenir très précisément de l'année durant laquelle vous avez rejoint ce mouvement. Mais est-ce que vous pourriez nous dire plus ou moins dans quelle période cela se situait? Est-ce que c'était les années 50, les années 60? Est-ce que c'était longtemps avant le coup d'État de Lon Nol? Ce matin, vous avez parlé de faits qui dataient d'avant le coup d'État de Lon Nol. Donc, je ne sais pas si la traduction était correcte. J'ai entendu 1971. Je voudrais que vous confirmiez si c'est 1971 ou si c'était avant. D'accord. Ce matin, vous avez dit que vous avez été approché par certaines personnes pour rejoindre le mouvement. Est-ce que ces personnes ont parlé du concept des ennemis pour vous convaincre de vous rallier à la révolution? Je vous remercie. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissiez les objectifs de ce mouvement révolutionnaire? អត់ដឹងទេគេថាបដិវត្តបដិវត្តតាមគេគេអត់ចាំជួយចាំជួយក៏អត់ចាំដែរតកាចាំដែរចាគេអត់ធ្វើប្រទេសមានប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងគាត់មិនបានបដិវត្តយ៉ាងម៉េចវាគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់អត់ដឹងទេចេះតែធ្វើដោយខ្លាចអត់យល់អត់ចេះអសអត់ចេះអសចេះតែបើមិនតោខ្លាចគេកាប់ឈ្មោះចូលមានប៉ុណ្ណឹងតាំងពីមុនដំបូងនៅប្រទេសមានភារកិច្ចនៃការឈ្មោះតង់ Monsieur le Président, avec la coupure d'électricité, est-ce que je peux continuer ou on va attendre? Merci, monsieur. Je voulais savoir aussi si... Excuse me, if I may interject, could we have a period when? Are we still in the 60s? When you joined the revolution, then you felt committed, and by whom? Maître Carnavas, c'est moi qui pose les questions en ce moment. Je ne sais pas si je suis obligé de reposer ces questions-là. Mais peut-être que le témoin peut préciser effectivement par qui vous avez senti que vous étiez intimidé. โดยชาเอโดยชากระทะเกองค์การการงานชื่อเอวิธมเจียงองค์การองค์การปฏิวัติบ่มันเถอะเจียเวียกนอกเลยนะนอกจากมีเต้ขนมตึกอำนาจอดบานเฮ้ยเลยไม่มันอดเมียนอดเจเฮ้ยเลยไม่เจ้าจะทัวร์หน่อยเกปราบโดยชาเกปราบจังเฮ้ยขยมคลายขยมโทรตามเก Est-ce que vous saviez si ce mouvement révolutionnaire avait un nom? Quel était le nom de ce mouvement ou éventuellement de ce parti? ชื่อมันได้ชื่อท่ามุนดำบงยังทองชีอมว่องอมยาตะคัดอันนึงก็ได้คณะภูมิเพียเกทองชีนั้นคณะชรกนวลชัย
Mais est-ce que ce mouvement avait un nom? Comment est-ce qu'on vous l'a présenté? Comment s'appelait-il? Est-ce que au moment où vous êtes rentré dans ce mouvement que vous en avez fait partie, est-ce qu'on vous a éduqué, est-ce qu'on vous a formé? Obrom yuk mai, kia obrom yuk mai. Dal kala kem dom dai rian chut, dang pe dang, panam. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres personnes de votre village ont également rejoint le mouvement révolutionnaire? Et est-ce que ces personnes appartenaient aussi à des minorités ethniques? Saviez-vous pourquoi le mouvement révolutionnaire visait à recruter spécialement des gens des minorités ethniques dans la région du Nord-Est? Alors pendant cette période, toujours dans les années 60, et donc bien avant le coup d'État de Lon Nol, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient les dirigeants de ce mouvement révolutionnaire? Où était-il établi, où habitait-il? Est-ce que pendant cette période-là, il vous est arrivé de franchir la frontière avec le Vietnam? Et si c'était le cas, qu'est-ce que vous y faisiez au Vietnam? Cái đường chun co mò về từng trang tục cái này na ô là lai ô là bố ô ấy khi ông chấm năm cái năm ở khi ông năm prey năm ô chấm năm cái thua cái này cái thua kheng co kê thua lông phun năm lông prey thế cái thua kheng cái chế lưng cái lịa cái phơng kê thằng năm kê bài club shop anh em ban cái quay ông đã nổi nè cái thành chừng cái bẹt từ lớn bên thể tiệt tôn nó bớt thế cái phương bẹt ខ្ញុំចំណាំនៅជកត់បញ្ញាប្រៃភ្នំម្ដុំចិត្តព្រំដែនវាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងPour que je comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous dire à qui étaient destinées ces armes qui étaient cachées et amenées jusqu'à Stung Treng? គេថាគេវាយហ្នឹងបបដឹកមកពេលនោះពូប្រទេសវាហ្នឹងវាអត់មានផ្លូវនឹងក៏ដឹកវែងតាមក្បាលក្បាលទៅចុះពេលភ្នំពេញលើងពេលភ្នំពេញទៅនៅព្រំដែននោះទៀតគេថាឈីនុកឈីនុកល្អគុំតោពួកខ្ញុំមានផ្លូវដឹកជនកដឹកជនផ្លើងដឹកជន
group shop number by Bamro Kong Top Y Kamang no Hanoi Nam Kitang Chang. Mais si vous étiez faisiez partie du mouvement révolutionnaire et qu'on vous avait demandé de guider les Vietnamiens qui transportaient des armes à feu, est-ce que, je ne comprends pas très bien, est-ce que ces armes étaient destinées au régime à l'époque de Sihanouk ou au Khmer Rouge? ពីប្រទេសគេមកចុះព្រំពេញដឹកពីព្រំពេញនោះគេទៅរាក់នៅព្រំដែនដើម្បីគេវាយរំដោះនោះអញ្ចឹងមិនមែនថាគេឲ្យខ្មែរទេគេដឹកមកផ្លូវយើងគេចុះមកពីកំប៉ាល់ប្រទេសចិននោះកំប៉ាល់ទៅព្រំពេញវាលើងទៅអត់ទេមេគង្គទៅទងតែងទងតែងគេដឹកអង្គរដឹកស្អីរាក់នៅព្រំដែនពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយអញ្ចឹង Mais est-ce qu'elles étaient pour, il fallait les donner à ce moment-là au Khmer Rouge, ou bien ces armes étaient à l'usage des Vietnamiens? Nous avons vu qu'il y a des armes au Khmer Rouge. Nous avons vu qu'il y a des armes au Khmer Rouge. Nous avons vu qu'il y a des armes au Khmer Rouge. Nous avons vu qu'il y a des armes au Khmer Rouge. Nous avons vu qu'il y a des armes au Khmer Rouge. D'accord, merci. Je voudrais en venir à la structure administrative dans votre région avant le Kampuchea démocratique. Donc, à partir du moment où Lon Nol a fait son coup d'État jusqu'à la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges. On va se limiter à cette période de 1970 à 1975. Vous avez dit ce matin que vous aviez construit des maisons ou des bureaux pour Pol Pot et Yeng Sary. Est-ce que l'endroit où vous avez construit ces maisons ou ce bureau, est-ce que ça avait un nom? Merci. Donc là, pour bien situer, est-ce que K5 a donc été construit avant le coup d'État de Lon Nol en 70 ou bien après ce coup d'État? D'accord. Donc K5, vous avez dit ce matin que c'était Pol Pot et Yeng Sary qui vous avaient demandé de le construire. Est-ce que K5, à votre connaissance, fonctionnait déjà à un autre endroit avant que vous ne construisiez ces bureaux ou ces maisons? Pourquoi, comment les dirigeants vous ont-ils présenté la chose? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils faisaient construire K5 à cet endroit précis-là, à ce moment-là? Pour
khiêm chế nét nước nôm bằng phổ ôn phía trần khá nông mùi phùm bị bệnh nét, mùi phùm bị bệnh nét nâng bây khách bé ca chẳng mặt khách khá mang bị đựng, khá lệnh gọt miên là bản năng đấy Pouvez-vous nous dire comment ces bâtiments ont été construits? Est-ce qu'il y avait une technique de construction particulière? Est-ce que ces bâtiments s'élevaient au-dessus du sol ou en dessous du sol? D'accord, donc c'était un endroit très sécurisé, d'après ce que je comprends. À part Pol Pot et Yeng Sary que vous avez mentionné auparavant, est-ce que d'autres dirigeants du mouvement révolutionnaire ou du parti venaient à K5? អត់ឃើញគេហេតុទៀតនោះគេទម្លាក់ក្របែកពួកខ្ញុំរើភូមិណូប្រៃ២ឆ្នាំអត់មានភូមិអត់មានប្រទេសទេនៅរហូតណូប្រៃចែកលុងរាល់ថ្ងៃបានរស់គេទម្លាក់ក្របែកតាមពួកខ្ញុំនៅជិតព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះអត់ឈ្នុកទេពួកអ៊ំនោះមកគ្នាទាំងអស់អត់ឃើញ Mais au moment où vous aviez fini la construction, est-ce que K5 a été utilisé ou pas par les dirigeants Khmer Rouge comme lieu de réunion, par exemple? Est-ce qu'il y avait donc des dirigeants des Khmer Rouges autres que Pol Pot et Yeng Sary qui étaient venus alors à cette autre maison pour tenir des réunions à ce moment-là? Une fois que K5 a été détruit, où s'est situé alors le bureau ou les habitations de Pol Pot et Yeng Sary dans la jungle? Est-ce que cet endroit avait un nom de code, par exemple? Nos prêts de M. Clay, Jung Phnom, Jung O.
Est-ce que cette maison avait été désignée par un nom? Quand les personnes en parlaient, est-ce qu'ils disaient ça s'appelle un peu comme K5, est-ce que ça avait un nom de code, un nom révolutionnaire? Admin aide mien ai chmoh ke tha ko 5 samrap monti ongka mien ta pneng te ja yeu yeu ong yeu yeu chong lai pichum chmoh ai lai pichum lai ke pichum ke pichum ne prei ai chit kiet kleng ka tang hai at mien chla chum to te ka ta mien ta tabul chlak khan ma ka mai giờ chờ nó hơn cùi thôi tôi lên cùi thôi tội thôi tặng nè bị bạn nè Je vous remercie. Ce matin et cet après-midi, beaucoup de questions vous ont été posées sur vos responsabilités en tant que chef de village. Je crois à partir de 1970, si j'ai bien entendu, et puis comme chef de commune, chef de la commune Talao, à partir de 1974 jusqu'en 1976. Je voudrais savoir si à l'époque, donc tout ça, en tout cas pour la période avant avril 1975, quelle était la structure type de votre région? Vous avez tout à l'heure parlé de villages et de communes. Quels étaient les échelons supérieurs au-dessus de la commune? Je vous remercie, mais ce n'était pas tout à fait la question. Je voulais savoir, au-dessus de la commune de Talao, quels étaient les autres échelons administratifs dans votre zone nord-est? Comment c'était structuré? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais il me semble que c'était plutôt après avril 75. Donc je voulais savoir, avant avril 75, quelle était la structure à partir du village jusqu'à la zone? Quels étaient les différents échelons? Donc vous confirmez, il n'y avait pas de secteur à l'époque ou de district? Ce sont des noms que vous avez cités tout à l'heure. Et au-dessus du district, qu'est-ce qu'il y avait? À partir de 1976. Donc, si je comprends bien, il y avait village, commune ou sous-district, et puis district, secteur et zone. Et ça, avant 75 ou après avril 75. Donc,
Je vais vous aider. Lorsque vous étiez encore chef de village, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà au-dessus de vous, comme supérieur, le chef de la commune, et puis encore au-dessus, le chef d'un district, le chef d'un secteur et le chef de la zone? មានបងមានមិចមានកាយចតាំងមានពេលដែលខ្ញុំអត់ចំណាំខែចំណាំថ្ងៃគេចំណាំមានបងមានមិចមានមនុស្សអប់រំមានមនុស្សចិត្តជែងមានមនុស្សចិត្តតាំងមានតំបន់មានស្រុកមានឃុំមានភូមិមានក្រុមមិញមានJe vous remercie. Je vous remercie. Si je comprends bien, vous avez toujours connu cette structure, aussi bien quand vous étiez chef du village, c'est-à-dire avant 75, que après, lorsque vous avez été promu comme secrétaire adjoint au district 21. C'était toujours la même structure, groupe, village, commune, district, secteur, zone. Est-ce que c'est correct? Je vous remercie. Alors, je voudrais vous demander, à partir de 1970, vous savez que le prince Norodom Sihanouk avait lancé un appel à rejoindre la révolution. Est-ce que, à partir de cet appel, beaucoup de personnes ont rejoint le mouvement Khmer Rouge dans votre région? Je vous remercie. Comment, s'il y avait de nouvelles personnes, éventuellement, chaque fois qu'il y avait de nouvelles personnes qui rentraient dans le mouvement, est-ce qu'elles étaient également formées, éduquées, comme vous l'aviez été vous-même dans les années 60? ឆ្នាំ 76 នឹងប្រជែងហើយគេនិយាយពិសេសណាខ្លាំងយ៉ាងម៉េចគេថាអនុវត្តបដិវត្តន៍សង្គមនិយមបើមិនតូតតាមនេះគេបអត់គេទេថាអញ្ចឹង Ce matin, vous avez dit plusieurs fois que vous aviez été quelque peu forcé de rentrer dans le mouvement ou de l'aider. Pouvez-vous nous dire quelle était la discipline au sein du parti? Qu'est-ce que vous deviez faire et qu'est-ce que vous ne deviez pas faire? គោជំហរតឹងតែងມັນងាក់រេខាងនោះខាងនេះມັນខ្លាចងប់មិនខ្លាចលំបាកមិនខ្លាចវេទនាខុតខំលះបង់បើគ្មានគោជំហរឲ្យមានគោជំហរនឹងណូគោជំហរនឹងណូនេះឲ្យតឈូបដវត្តយូរអង្វែងទី២ទៀតឲ្យឈ្មោះតង់ជាមួយបៈជាមួយប្រជាជនហេតុនោះខ្លាចអូថាដូចខ្ញុំ Pourriez-nous
Chris, pourriez-vous nous préciser qui étaient ces ennemis dont vous parlez souvent? Et ce matin, vous avez aussi dit que les Vietnamiens étaient des ennemis. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'on vous a toujours dit que les Vietnamiens étaient des ennemis? Ou bien vous a-t-on dit aussi qu'à certaines périodes, ils n'étaient pas des ennemis, mais plutôt des amis? ខ្ញុំឆ្លើយការងារនេះដោយសារមកពីអ៊ំអ៊ំកាលមុនដំបូងតោះជួយយុបាយគេប្រមូលកម្លាំងតោះវាយខ្មាំងគេថាយើងហៅបងប្អូនវៀតណាមយើងហៅយួនហៅយួនដូចយើងឈប់គេគេប្រាប់យ៉ាងអ៊ំយើងឈ្នះហ្នឹងប្រមខ្ញុំធ្វើប្រធានភូមិកាលដល់ក្រោយគេថាគេពាត់រូបខ្ញុំថាខ្ញុំចូលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមអញ្ចឹងទៀតគេថាខ្មាំងអាយួនហ្នឹងខ្មាំងកម្ពុជាលើកទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងទៀត ខ្ញុំថាខ្មាំងយើងមិនពេលដើមអ៊ំអោយពួកខ្ញុំហៅបងប្អូនដល់ឥឡូវថាខ្មាំងយួនបើយើងធ្វើបដិវត្តន៍មុនដំបងនៅជាមួយគ្នាឈីជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាដល់ឥឡូវយើងមិនថាខ្មាំងយួនទៀតនឹងខ្ញុំឆ្ងល់បើថាពួកខ្ញុំចូលបដិវត្តន៍ណាពួកអ៊ំនឹងហើយនាំផ្លូវទៅចូលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមពួកអ៊ំនឹងប្រធានពួកខ្ញុំដឹងណាស់ប៉ាដឹងប៉ាកុំនេះដឹងប៉ាអីទេជំនឿទៀតណាមេខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំកាត់
Je vais revenir à, au moment où vous étiez chef de la commune de Talaou. Vous avez tout à l'heure parlé des villages et des groupes, mais je voudrais savoir si, à l'époque où vous étiez chef de la commune, est-ce qu'il y avait des coopératives qui existaient déjà au niveau de la commune? Donc ça c'était quand vous étiez chef de village. Mais après, vous avez répondu tout à l'heure que vous aviez été promu comme chef de la commune de Talaou. Est-ce que quand vous étiez chef de la commune, il y avait déjà des coopératives ou non? D'accord. Merci. Quand vous étiez chef de la commune et plus tard chef du district, est-ce que vous receviez des instructions en matière de production agricole? ឆ្នាំ 76 ហើយដល់ខែ 6 គេមានផែនការគេហៅប្រជុំដើម្បីបង្កើតឆាកកប្រមូលផ្ដុំដីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំមតិយោបាយហូបបាយរួមហ្នឹងហើយសំណួរ Merci. សូមអរគុណ Je vais revenir sur certaines choses que vous aviez mentionnées ce matin concernant le rôle et fonctions de Yeng Sari et les occasions durant lesquelles vous l'avez rencontré. Ce matin, vous avez parlé de deux réunions auxquelles vous auriez participé où Yeng Sari a pris la parole. Je me dois de vous faire savoir que dans votre déclaration précédente devant les juges d'instruction, vous avez parlé de trois réunions. Et je voudrais éclaircir ce point. Vous avez dit auparavant que des réunions s'étaient tenues en 1970 et 1974. Aujourd'hui, vous avez parlé de deux réunions. Pouvez-vous repréciser à nouveau si c'était deux, trois réunions et quand elles auraient eu lieu avec M. Yeng Sari, donc oncle Van? ជាមួយអ៊ំអៀងជ្រីមានតែពេលលើកគាត់នៅព្រៃគាត់ហៅប្រជុំមានពេលលើកនៅហើយក្រៅពេលហ្នឹងមានតែគណៈភូមិភៈដូចជាអ៊ំវីតាធិនតាខាត់តាបុតដែលហៅប្រជុំគាត់ថាបាត់ហើយអត់ឃើញហើយអ៊ំអៀងជ្រីនិយាយឈ្មោះប្រាប់ឈ្មោះត្រង់ Est-ce que vous vous souvenez du moment, je sais que vous avez des problèmes avec les dates, mais est-ce que vous vous souvenez plus ou moins de la période où ces deux réunions ont eu lieu? Est-ce qu'il y a plusieurs années entre elles ou est-ce qu'elles étaient rapprochées? Pour le moment,
đó cái này phụng phiệp hào bị chôm nó bị chôm nó bẩn lùng vậy ạ pi tháng ai bản năng thế ជិតជិតគ្នាឬក៏ឆ្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយដល់លោកក្រោយមានតែតំបន់នឹងញឹកញាប់តែធិតតំបន់១០១ក៏នឹងញឹកញាប់ហៅប្រជុំមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងតែធិតក៏ប្រធានតំបន់ Est-ce que la première réunion où vous avez vu Yang Sanri, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, est-ce que cette première réunion a eu lieu avant le coup d'État de Lon Nol ou après? Est-ce que c'était la première fois que vous voyez Yang Sari à cette occasion-là, ou bien vous l'aviez déjà vu avant, mais vous n'aviez jamais assisté à une réunion présidée par Yang Sari? D'accord. Lors de cette première réunion, si vous vous souvenez bien du contexte de cette première réunion, est-ce que d'autres personnes se trouvaient aux côtés de Yang Sari, même si elles n'ont pas parlé? D'autres personnes parmi les grands patrons, les dirigeants, les oncles? មានតែជួបមែនតើជាមួយគាត់មានប្រពន្ធហ្នឹងហើយມັນពួកគាត់ក្រៅរបស់គាត់លងវល់ឃើញអ៊ំយ៉ាមានតែឃើញគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយអ្នកអប់រំហ្នឹងអ៊ំយ៉ាងជ្រីអ៊ំពុកហ្នឹងមកកន្លែងនៅកន្លែងនោះកន្លែងមន្ទីរគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទៅពេលគេប្រជុំហ្នឹងគេចេញពីកន្លែងគាត់នៅបានឃើញអ៊ំយ៉ាងជ្រីអញ្ចឹង Quelle était la fonction de Om Ya à l'époque? ការសម័យនោះទូនទីមុខងារបស់អមយ៉ានោះអីទៅលើគេប្រជាប្រជាតែគណៈភូមិភៈគណៈភូមិភៈឯសានលោកគិរីទឹងត្រែងទីចេះគេប្រជាឯណាក៏បង្ហាញខ្លួនគាត់មានប្រកិច្ចខ្ញុំជានាយគ្រប់គ្រងមាន 4 ខេតអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងបើគេបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងទេ Je vous remercie. Je voudrais savoir, lors de ces deux réunions avec Yang Sari, si Yang Sari a parlé de la religion ou de l'animisme et des génies tutélaires, est-ce qu'il en a parlé et qu'est-ce qu'il en aurait dit? កិច្ចការប្រជុំនឹងគាត់ប្រកាសកុំអោយថ្នាក់សុខថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិលំដីដឹងនេះណាខ្មាំងនេះណាជាត្រូវយ៉ាងមិនគេថាខ្មាំងយ៉ាងមិនគេថាជាត្រូវបងប្អូនយល់ហើយឬមិនយល់ពួកខ្ញុំថាអត់យល់ទេពួកជីះជន់ពជារះហ្នឹងគេថាខ្មាំងគេថាជាត្រូវណាជីះជន់ Quand
Est-ce que pendant toute cette période, vous étiez autorisé à pratiquer votre religion? Si vous en avez une, ou l'animisme? ខ្ញុំឆ្លើយអត់មានទេតឹងតែងគេថាមិនអោយជំនឿទេអរិយអ្នកតាឆេនប្រានទូកាឈើក្រុនស្រាប់រស់យើងទៅរកពេទ្យនឹងមើបងប្អូនខាងក្រុមនោះខ្មែរក្រុមអត់មានលោកចង់អត់មានវត្តទេបងប្អូនបងប្អូនជន់របត់នឹងអត់មានវត្តអារាមនោះឆេនប្រានបើថាការឈើក្រុនឥឡូវអត់មានទេអត់មានហើយក៏គួរឆ្នាំចឹង Est-ce que vous avez facilement accepté cette instruction de ne pas vénérer de religion ou de génie, etc.? ដោយសារជំនឿទៀតពួកខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆេនប្រាំដូចបងប្អូនខ្មែរខាងក្រោមមានវត្តមានវាមានអារាមឥឡូវគេដល់ឲ្យមានក៏ឈ្មោះឈ្មោះដែរស្ទីរំបើថាអប់រំខ្លាំងប្រជជនខ្លាចប្រជជនវាយខ្ញុំចូលវាយចូលខ្ញុំបើមិនប្រឆាយផែនការរបស់គាត់នឹងខ្ញុំខ្លាចគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំខ្លាំងថាខ្ញុំអត់មានចំហបាទ Donc quand Yang Sari vous a parlé de cela, lors de ces deux réunions, vous avez dit donc, si je ne me trompe pas, que c'était bien avant que Phnom Penh ne tombe aux mains des Khmer Rouges. Est-ce que c'est correct? J'ai peur d'avoir mal compris. Si quelqu'un parmi le groupe révolutionnaire voulait se rendre dans une pagode ou faire des offrandes, que lui arrivait-il à cette période-là? Était-il blâmé, puni d'une quelconque façon? ប៉ុន្តែការងារនោះដោយសារខាងក្រមនឹងគេនោះមានដែរប៉ុន្តែគេនិយាយប្រកាសដើម្បីអាពួកខ្ញុំជន់លបុតនឹងវាអត់មានវត្តវារដែរមានតែគេជំនឿចង្គមឆេនប្រានពេលឈឺគ្រុនអានឹងគាត់ខោឆ្នាឲ្យខាងពួកខ្ញុំមិនឲ្យជឿអរិយអ្នកតាដោយសារអីបើធ្វើជឿអរិយអ្នកតានេះអត់កើតទេធ្វើបដិវត្តន៍ ចុះទទួលទុនកម្មអ្នកដែលគោរពសាសនាឬក៏អ្នកគោរពអរិយអ្នកតានឹងគេធ្វើទុនកម្មអត់ទេមិនទទួលទុនកម្មទេបងមិនជឿគេមិនទុនកម្មពួកខ្ញុំធ្វើមកបាល់ហើយគេវាយចោលគេទុះចេះចេះចុះថាមិនគោរពមានគេបាក់ និយាយស្អីគេប្រែកទៅលើបកគុំនេះវាមិនលេងទេបកគុំនេះវាខ្លាំងពីណាតាវ៉ាពីណាប្រឆាំងក៏ថាអត់មានផ្លូវដើរហើយគេថាអញ្ចឹងគេគំរាមអញ្ចឹងណាដូចជាហើយពួកខ្ញុំខ្លាចចេះទៅធ្វើចេះទៅទៅពួកខ្ញុំនៅជន់បត់ចកបញ្ញកវា វេមនុស្សវេលងឹងមនុស្សវេលងឹតភ្នែកចេះតែធោតាមគេធ្វើយើងវាក៏ធោតាមអញ្ចឹងណាខ្លាចចិត្តដូចជាមិនមានថាយល់ខ្លាចចេះតែខ្លាចចិត្តអំណាចគេ
mình ở giờ đấy bắt bắt ở giờ tôi khi ông cho kê cái đó tôi sẽ khai lục thì nhà rỗng ta nơi miền tầm nua bầm nan tiết đây là cồn xù đờ đang mình đang rót vào bên yêu này Oui, Monsieur le Président, merci. Il nous faudra sans doute encore une heure pour interroger la partie civile. Donc, si vous souhaitez interrompre maintenant, bien entendu, nous y sommes favorables. Ở lâu này, đó là màu xong là mồm, nâng xong rạ, nơi rô xuyên này hơi. Vẫn tại một nâng xong rạ, đại xa đập nơi tụ bò là bò. Xã phía nhà, rô ăn trại chiến mến tham miên pêl với lìa trời châm nay và hai chiếm mùi màu tiên. Đời vì lìa này cái chấm nợ ca rất bao giờ nâng miền cầm nót để cua tại tầng prey nằm bay ở cái chấm nợ ca nâng bàn chuyển lớn ông chấm ra nâng đòn vị trí ca từ ở giữa rồi thì nhà ai vẫn to nâng được ngày ai còn là mong tiền từ trên này xong đã về nhà tìm rìp chấm chờ rơ nơi sầm nô để miền khâm xa nâng sầm khăn tầm khăn để pon cho mọi nâng ông hay đại ai xua từ đại một đằng rót bạc viên đi rụng đi ông chấm ra bậc ca bậc a cái chấm nào ca sạm nào ca sầm rập ngày ni để tâm đi hay sạm nào ca nâng lực bản to từ bậc ngày sai chập đầm pi mòn bầm buồn sầm chơi mình chú ý Thank you, Your Honor. Will Nun Chia be testifying tomorrow? Ta lục tiến lục Nun Chia nâng trâu mọc sạc cây cam nâu sạc ní đi có dạng mạnh. Be notified as to when? Khi nhầm chọn bàn ca bình dụng ta ta có nâng chô mọc đo sạc cây cam nâu bên là. Mình tổ sử đập xâm lời để bỏ nguồn chí ở đây là tập hiệp này cả thử xạm nạ cá sử đập xâm lời đào mà đang rọt vào ní khăn phít mình này thà bật tổ bì cả xù đánh đào nhập bộ đào mà đang rọt vào ní rụng ní chóp nụ ong dùm ra nâng mình tổ nông cả sua đánh đau chấm phu nôn chia chia bần to But perhaps then we could have an indication from the other parties how long they will take. I think we'll need about 5 minutes. Lục Thiên, chúng ta phải chờ ban ca bạch chia pi phía kia để tí, ta ta cái trâu ca giải quyết bằng màn đá, phải chia ai 5 minutes rồi
nhưng mà những phía kỳ sinh tiết mê tư vi lục yên giới hay mê tư vi lục khi dùng phón ta cầm mê tư vi bỏ lục thằng pi nâng mê cầm ai chùm nai pê lia bọn màn đấy thì mê xua xa đào mê đăng rõ bạp yên y rụm ní Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Your Honors. I have to hear the rest of the examination of the witness before I can decide. I can certainly say that it could be anywhere from 15 minutes to 45 minutes, especially since there was a lot of testimony where periods were not established. And so we feel at least, I would say 15 to as much as 45 minutes. Même chose pour la défense de Monsieur Kyo Sampong, Monsieur le Président. តាមការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះបង្ហាញថាការប៉ាន់ប្រមាណនៅការតាំងសំណួររបស់ភាគីតទៅនៅថ្ងៃស្អែកចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបាលពេលនេះរូបនេះទំនងជាមិនអាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ទេដោយហេតុការសន្សំចៃពេលវេលាក្នុងការដេញដោលដូច្នេះគឺអង្គជំរះកំណត់នៅរបៀបនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការសួរដេញដោលគឺក្រោយពីសួរ ស្ដាប់ចម្លើយដល់មិនដឹងរដ្ឋបាលពេលនេះចប់គឺយើងនឹងបន្តការសួរដេញដោលចំពោះលោកនុនជាអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនចាប់ចោតទាំង3រូបទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់សាលាសន្និការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9អង្គជំនះប្រកាសសម្រាកត្រឹមនេះ